La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Réveiller des choses enfouies en soi, améliorer la connaissance de son potentiel et faire des choix en lien direct avec sa personnalité, que disent nos chiffres de notre parcours entre l'enfance et le futur que nous disent les astres de nos fonctionnements, de notre vie Ils combinent les données de l'astrologie uranienne et de la numérologie, numérologie pour éclairer notre chemin de vie. Sébastien Vaillant est en place dans les canapés d'ABC dans Experts en thérapie. Il nous vient de Belgique, plus précisément de Bruxelles. Bonjour Sébastien. Bonjour Thierry. Merci d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Vous avez vu, j'ai un peu ripé parce que je ne savais pas s'il fallait que je parle belge ou français. J'ai un peu ripé dans l'introduction. <laughs> c'est la même langue, c'est le français. <laughs> astrologie uranienne, on mm -hmm. va en parler. Qu'est-ce que c'est Astrologie uranienne, la numérologie, bien sûr, on connaît un petit peu mieux. Ouais. Vous essayez de prouver que ça ne fonctionne pas <laughs> et vous n'y arrivez pas. Mais pourquoi donc je pense que je vois souvent que tout est inscrit, et je me dis toujours non, c'est pas possible que ce soit inscrit. Il y a moyen de dire qu'il y a un libre arbitre encore, et je, je le cherche. J'essaie je, de trouver, mais c'est difficile parfois. Donc, euh... ce que vous m'avez dit, vous m'avez fait une très belle séance, et on verra un petit peu mon thème astral et mm -hmm. d'autres exemples oui. de thèmes. C'est bluffant de ce que vous pouvez voir dans le passé, dans la personnalité, hein, 100% de moi mm -hmm. et dans votre thème. On a à dire là-dessus, oui, oui. on, on a un miroir en face de nous qui est, qui est vous. Oui. Alors vous êtes passionné, hein, vous êtes une sorte d'aiguilleur du ciel pour les personnes qui se posent des questions sur leur vie. Oui. Vous êtes une sorte de détective des chemins de vie. Vous utilisez aussi les tarots, hein, les oracles. Oui. On verra, on en parlera peut-être ouais. aussi ouais, tout à l'heure parce qu'on ça ici. Mm -hmm. euh, tirer des cartes. Euh, votre but, quand même, motiver des choix en lien direct avec la personnalité de vos consultants mm -hmm. pour les mener à plus d'épanouissement personnel. C'est très juste, c'est très bien. Eh bien merci, merci, merci d'être de présent... venu, merci. on vous a souhaite un prochaine. bon retour à Bruxelles. Belle <laughs> présentation en tout cas. Mais oui, j'allie deux techniques, la numérologie et l'astrologie uranienne ou plus, le vrai nom c'est l'astrologie de l'école de Hambourg. Mais l'astrologie uranienne est venue par un Américain, enfin fait, Richard zvella, qui a retrouvé certains écrits euh, D'Alfred Viteux, qui est le concepteur de cette astrologie-là. Euh, voilà, il trouvait que c'était un homme uranien, un homme révolutionnaire. C'est pour ça que maintenant, on appelle ça l'astrologie uranienne. Rien à voir avec la planète euh... Ah non, rien à voir, rien du tout. Rien euh, qui... du tout. Qui... Qui... Parce Qu que Uranus correspond à ce qui est révolutionnaire. C'est quelque chose de soudain. Euh, voilà. D'accord. C'est pas une astrologie différente parce qu'elle est liée à une planète, je suis obligé de vous poser la question. Oui, alors non, ça n'a rien à voir avec Uranus quelque part, mais... Euh... Et en quoi, en quoi elle fonctionne différemment et en quoi elle est peut-être euh, différemment précise, peut-être Oui. On n'utilise pas les signes. Donc les signes, le zodiaque n'existe plus. Il est caché derrière, si on veut, mais c'est surtout le langage, donc les connexions qui se font avec les planètes qui donnent des informations. Et des événements. C'est une astrologie plus prédictive. Oh, oh là là, oui. Euh, oui. Je, 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 on a hésité. Écoutez, on va, on va, on va tout vous dire aujourd'hui. On a hésité avec cette affiche. Euh, <laughs> attendez, c'est l'autre visuel. Vous savez, on est en live ici euh, dans Expert en Thérapie. On a hésité ouais. avec cette affiche. Ouais. L'avenir serait-il déterminé Et alors Oui. Je... C'était la question du libre-arbitre que vous posiez mais, mais tout oui. à l'heure. Mais oui, je, je me pose cette question, en fait. Je... Peut-être qu'on a un choix entre deux, deux chemins, deux petits chemins, en fait. Mais est... tout est quand même assez tracé, je dirais. On, a, on est dans un tunnel, à la limite. Oui, je, je, je... je me vois euh, dans, dans les tunnels sur le périphérique à Paris. Je ne sais mmh. pas, c'est des tunnels un peu à Bruxelles, quand même. Oui, il y en, euh, en a aussi, oui. <laughs> Et, et, et on, on a trois voies dans le tunnel, ou deux oui. Mais on est dans un tunnel quand même. Oui. Je, je pense qu'on va dans ce tunnel et il on... y a peut-être moyen d'éclairer le tunnel différemment. Ça, je pense. C'est-à-dire D'avoir plus de, de lumière à certains endroits du tunnel. Ou de ralentir ou d'accélérer. Peut-être. Ah. Et, et encore, je, j je vous dirai ça euh, okay. dans 60 ans. Quelque part. Oui, je pense. J ai, j ai... En fonction de sa personnalité, prouver. parce que dans, dans, votre oui. thème, on, on, dans vos thèmes, dans votre travail, parce que ce n'est pas que vos thèmes, c'est aussi la numérologie, on, vous, vous, vous décryptez la personnalité d'une personne mmh. de façon incroyable. Et l'idée, c'est que effectivement, peut-être en fonction de ma personnalité, je vais pouvoir vivre les événements, les événements plus vite, oui. plus lentement, les ralentir, euh, les prendre de façon plus… Euh, un peu dégoûté de la vie, ou plus c'est pas grave, c'est cool, on va avancer. Ou foncer dedans directement, ou justement par des éléments extérieurs, vous n'avez pas pris ce chemin-là. Ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé. J'avais vu dans le thème d'une personne, euh, j'ai dit Tiens, cette personne, est, elle est juriste ou avocate. Je le, je le dis à cette euh, consultante, ses yeux s'éclairent, magnifique. Elle me dit J'aurais tellement adoré, mais non je n'ai pas pu. Ça, je ne l'ai pas vu, ou je n'ai pas cherché. Je me dis, peut-être que si j'avais cherché davantage, j'aurais vu qu'elle n'ait qu pas pu faire ce, ce chemin-là. Mais elle a pris autre chose. Elle est dentiste. C'est aussi spécialisé. C'est aussi pas mal d'études. Mais c'était pas ça. D'accord. Mais oui. par contre, elle avait envie, son rêve, était d'être avocate ou juriste, je ne sais plus. Bon, elle avait la, la capacité, la force, oui. le, la possibilité de... Elle avait tout. Tout, toute sa personnalité, l'alignement des planètes sur son thème de naissance, tout était euh, bah, indiqué. Oui. Vous parlez sur votre site internet de, 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 de notamment la retrouver, être conscient de nos potentiels. Mm -hmm. oui. Et du coup, si je suis, si vous me dites Thierry, vous avez ce potentiel-là, que je me dis, mais oui, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et en plus, je l'ai visiblement d'après Sébastien Vaillant. Mm -hmm. Ça va peut-être me motiver à dire, bah oui, c'est fait pour oui. moi. Il faut peut-être travailler, ce qui était, je pense, si je me souviens de votre thème, ce qui était votre cas à un moment donné. Mais on verra votre thème après. Oui, je on pense. va le voir parce que vous allez on on le reprendre. On va le reprendre, on va le reprendre. Euh, donc euh, parce qu'il consu... est intéressant. Il est. Ab... <laughs> il est intéressant. Ils je ne sais tous, pas si euh, comment je dois le prendre. Ben, il est bien. <laughs> On va regarder ça plus tard avec d'autres exemples de thèmes. On oui. aura des témoignages également. Euh, donc, euh, consultation prévisionnelle. Mm -hmm. Voilà, c'est ce qu'on disait. Un petit peu, focus sur les prévisions de l'année en cours. Oui, afin de s'intéresser à des questions précises en rapport avec différents aspects de la vie, tels mm -hmm. que le relationnel, le professionnel, oui. l'investissement personnel ou financier. On en est toujours dans. Amour, euh, gloire et beauté am oui. Amour, travail, argent Oui, c'est ce que les gens me demandent toujours. Évidemment. L'argent, est-ce que le sentimental, ça va fonctionner Est-ce que je vais déménager Est-ce que je vais avoir un enfant Enfin, c'est des choses très précises, parfois très pragmatiques aussi. Est -ce, donc, est-ce que des fois, ça vous saoule d'avoir de, des, des questions trop, euh, trop superficielles je, Alors, si quelqu'un vous pose une question, c'est que je suppose que ça le travaille, donc ce n'est pas superficiel. Oui, c'est c'est des moments importants ouais. de, de, de sa vie donc j'essaie d'y répondre en tout cas oui et c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part la personne sent quelque chose et je vais je vais mettre le doigt dessus Ça ah Marie oui évidemment on a parlé euh, de, vous, vous m'avez parlé tout à l'heure euh, vous m'avez posé une question mm -hmm. euh, thierry est-ce que vous voulez connaître la date de votre mort <laughs> Oui. Euh, J'avais envie de dire oui, puis après il y a l'ego ou la peur ou je ne sais pas qui dit bah non en fait. Donc vous êtes, d'après euh, cette astrologie uranienne, mm -hmm. vous êtes capable de voir ces dates-là Est-ce que vous avez des exemples J'aime bien prévoir les dates de naissance. <laughs> il est bon. <laughs> et là, et oui, vous, en avez eu, vous en avez eu par exemple des oui, dates de naissance Tout à fait. Ah oui, oui, oui. bien sûr. Et ça l'a fait ah oui, à 4-5 jours près. Je crois qu'on va avoir une dans les Il y a, témoignages il y a un exemple, de, 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 oui. Tout à, tout à fait. Alors, les, théma, les thèmes, on a dit qu'on passerait sur celui-ci. Si je me trompe, vous me le dites. Hein. En exemple. Alors Alors là, c'est Matrix. Hein. Mais oui, justement. Donc Vous êtes le néo de l'astrologie. La, de, de il faut décoller ça <laughs> en fait l'astrologie iranienne fonctionne avec des mi-points c'est la distance entre deux planètes on a tous donc on a tous la lune on a tous le soleil dans notre thème pas placés au même endroit on va prendre le milieu ça fait un certain degré et toutes les planètes fonctionnent comme ça tous les points fonctionnent comme ça Ok. Ça va. <laughs> Super. Voilà. Et donc et donc on, quand, quand on naît, oui. c'est le thème de naissance. C'est hein. de naissance, c'est fixé. Quand je nais, je nais, les planètes sont comme ça autour de moi à ce moment là. Tout à fait. D'accord. Et en fonction de ça, en oui. fonction de ça, vous faites un thème de naissance qui va donner la personnalité, les compétences d'une personne. Tout. J'ai toute votre... Enfin, tout. Oh, vous avez et... beaucoup de choses. Il est gentil là, il est gentil, parce qu'il a énormément on de a... choses. <laughs> on, a... on a la vie de la personne, en fait, oui. On a la vie de la personne. Complètement. Donc, ce, ce, ce Matrix comme vous l'appelez, ce n'est autre qu'une autre vue de la roue, euh, okay. de la roue euh, du qui pas un zodiaque parce qu'il n'y a pas de signe. D'accord. C'est exactement la même chose. Ce sont toutes les connexions. Tout est symétrie. Euh, parallèle, voilà. C'est de la symétrie pure, c'est des mathématiques. D'un côté, on a le camembert et de l'autre côté, on a le tableau Excel. Voilà. Tout à... bah, et moi, j'aime les tableaux Excel. D'accord. Il vous y retrouvez là. Tout à fait. Alors, qu qu'est-ce qu que cet exemple vous raconte que, que nous on comprend rien Enfin, moi, je ne comprends rien et vous Ça vous dit quoi Oui, ça parce que là, quand quelqu'un vient me voir, j'aime bien de savoir ce qu'elle fait dans la vie. Je suis curieux. Vous l'avez dit au tout début. C'est le détective. J'adore ça. Il faut que je trouve l'information. Et donc, clairement, qu'est-ce qui fait qu'on trou trouve la, le, le, la profession d'une personne ben, En fonction de certaines planètes, Mars étant la planète de l'action, je vais aller voir Mars. Là, ici, j'ai pris un mi-point précis, milieu du ciel qui veut dire le jeu, Mars, l'action. Donc, c'est mon action, si je traduis. On voit là qu'il y a la Lune qui fonctionne avec ce milieu du ciel Mars. C'est en symétrie. Mon action, fond, mon action, est dans les émotions. La lune, ce sont les émotions. Pour, euh, quand vous dites bon, c'est la, 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 la d'une personne. Pas la, oui, c'est pas vous, c'est une personne, une voilà. consultante. C'est pas vous, c'est pas moi, mais c'est une consultante. Tout à fait. Qui a ce thème-là ah, et, et donc elle fonctionne comment d'après ça, d'après ce tableau Et donc elle fonctionne euh, que son action, son combat, son travail est en relation avec la lune, les émotions. Ensuite, je vais pointer d'autres mi-points qui sont en relation. Euh, dans ce magnifique tableau Excel. Et on voit que son action, son travail au point de vue des émotions lui rapporte argent, succès, Jupiter, argent. Apollon, c'est une planète qui n'existe pas. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais elle n'existe pas. C'est un point fictif. Euh, c'est euh, la multiplication, ou c'est le succès, ou le, tout ce qui est scientifique. Et qu'est-ce que faisait la personne qui, qui vous a consulté Quelle était son activité Psychologue. Donc, d'accord. Donc, elle travaillait avec les émotions des gens. Tout à fait. Et si on va plus loin, on voit vraiment la psychologie des gens qui. Donc, elle traite des gens qui ont un problème. Ça peut être ce qui est dans le, les gens qui. peur de l'ascenseur, peur du noir, ce genre. Ça se voit dans le thème. Et également dans le thème numérologique. Là, j'avais travaillé avec les, les deux thèmes. D'accord. Ah oui, là, là, vous avez fait d'ailleurs en, en lien. Avec ce thème là qu'on oui. voit à l'écran. Oui. Et ils sont. Il y a oui. ça parce que vous utilisez fait. les deux outils. Oui. Pour faire un check-up complet. Mais ça, oui. Oui, <laughs> ouais, le check-up complet. Ouais tout à fait. C est, c est, ce sont deux, deux techniques qui se qui se complètent bien je trouve. Et donc le prénom, le nom de famille donne la personnalité, la date de naissance, le chemin de vie, ce genre de choses. Et là par exemple. Et là. Bah, euh, on a dessiné un arbre, je dis « on » parce que ce n'est pas moi qui ai inventé euh, c -c cette analogie avec l'arbre, c'est Isabelle Lefebvre, dont, dont j'ai été élève et que je continue euh, à aider là pour l'instant avec deux nouveaux élèves, avec son école, l'Alchimiste des Nombres. Qui se trouve à, en Belgique qui, Ah non, qui se trouve en Ardèche. Ah C'est ah, okay. en Ardèche, mais tout se fait, enfin, la plupart des choses se font en visio, donc on est en contact euh, quasiment tous les jours, donc euh, et on travaille ensemble, beaucoup. Et euh, c'est une, une très belle rencontre, Isabelle, donc euh, voilà. C'est pour ça que j'ai continué la numérologie aussi, qui me passionne euh, tout autant que l'astrologie la, que iranienne. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Donc ici, cette personne, en fait, voilà, on peut voir une, avec ce 7, c'est une spécialiste. Elle a un chemin de vie 4, euh, donc quelqu'un de structuré. On est dans le travail, on est dans l'analyse qui vient d'un 31, le 3 étant la communication, donc tout ça, me permet de dire que... Alors je devrais euh, euh, aller plus loin dans, dans, dans l'explication de l'inclusion du plan d'expression, mais tout me dit que c'est quelqu'un qui est tourné vers l'humain et qui travaille avec des émotions. D'accord, donc... Les euh, émotions le... des autres et les siennes également, qui est, Elle est perspicace aussi. Là, la numérologie confirme votre astrologie uranienne. Voilà, et je me dis, oui, alors c'est l'un ou l'autre, soit je commence par l'astro, la, soit par la numérologie, mais les deux... Ça doit matcher. Si ça ne matche pas, c'est que je n'ai pas vu quelque chose. Et donc je vais chercher. Pourquoi les gens viennent vous voir en général On, on l'a dit, il y a amour, gloire et blotté. mais... mais, mais, mais oui c'est mais, ça. Mais, 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 mais globalement, pour quel type de problématique aussi euh, Alors peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Hein, c'est l'amour. Des... C'est souvent l'amour. Est-ce que je vais garder mon emploi Là j'ai eu quand même beaucoup de fois. Euh, Est-ce que je vais avoir un enfant dans ma vie Et quand Pas combien, ça ne me l'a pas encore demandé, mais quand. Alors, dites-moi, c'est quel témoignage où il y a eu cette histoire d'enfant là C'est pas celui-là, c'est celui, euh... celui d'après... Justement, c'est celui-là Oui. On parlait de naissance. Voilà. Comme Sébastien l'avait annoncé, écoutez bien, comme Sébastien mmh. l'avait annoncé, M... Mmh. Oui. On ne sait pas qui. C'est M attend un bébé et la naissance est prévue fin septembre. Elle mmh. est très heureuse. De son côté, J on ne sait toujours pas qui, <laughs> a rencontré quelqu'un depuis six mois et sa vie privée évolue dans la bonne direction. Nous sommes heureux que Sébastien ait vu juste. Pour ma part, j'ai donc décidé de me lancer pour une consultation voilà. aussi. C'est donc donc quelqu'un qui a fait une consultation pour d'autres personnes. Oui, voilà, j'ai eu tout le monde, toute la famille. En fait. <laughs> et donc là, vous avez prédit une naissance Oui, clairement. Elle, euh, ça se voit dans un thème de naissance en astrologie uranienne. Je, ce, ce fichier Excel, comme euh, vous l'avez appelé, Thierry je vais pointer les, éléments, les endroits ou les mi-points, dire ça comme ça, les mi-points qui, qui parlent de naissance. À un moment donné, ces points vont s'activer. C'est-à-dire que si j'étais venu vous voir il y a, euh, a 20-25 ans, oui. vous auriez pu me dire, Thierry, là, ah bon. normalement, il devrait y avoir un enfant à tel âge, à tel âge. Oui. C'est écrit dans mon thème que je vais avoir des oui. enfants. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et alors, oui, maintenant, ces points peuvent être euh, activés tout au long de la vie, quelque part aussi. À 80 ans, vous n'aurez plus d'enfants. Enfin, quoi que, on ne sait jamais. Mais il faut le vouloir quand même. Si la personne veut des enfants, tout est lancé pour qu'il y ait. Okay. Alors, c'est ça. Euh, je... Il si y a un terrain y a un favorable. Terrain fertile, voilà, voilà, favorable. Fertile, quoi. Favorables. Oui, c'est maintenant. Si la personne veut, je dis oui, ok, à tel moment, vous avez l'enfant. Si la personne ne sort pas de chez elle elle n'a pas de compagnon, de compagne ou quoi que ce soit, je, je pense qu'il n'y a pas d'enfant. D'accord. À moins de s'appeler certaines personnes. <laughs> Mais voilà, donc oui. Après, il faut être acteur quand même aussi. D'accord, c'est le côté libre-arbitre et puis le, 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 ce qu'on qu fait dans la matière. Voilà. C'est ça. ça. On n'a pas d'enfant en restant dans le canapé. Ben, enfin, ça dépend si enfin, on a quelqu'un on... ou pas. Mais oui, <laughs> c'est ça. Si... <laughs> si vous êtes tout seul dans le canapé, plus difficile. C'est plus difficile. Mais oui, ah. c'est activé, c'est clairement activé. J'aime bien l'idée du fait qu'il y ait quelque chose, des choses qui soient actives chez nous et oui. moins actives. Oui. Et, et du coup, ça explique ceci et cela. Pourquoi oui. quelqu'un est boulanger, pourquoi l'autre pilote de ligne, et pourquoi il y en a quand on a des enfants et quand on n'en a pas. Il y avait oui. des gens qui avaient des choses activées. Tout à fait. Clairement. Comme des options à la naissance. Tout à fait. Eh bien, si vous mettez l'exemple de justement d'une naissance, ce que j'avais, c'était est... quoi ce Qui était... Doit être là. Euh... Ça, c'est un autre témoignage. Oui. C'est pas celui-là. Non. Non, vous voulez quoi <laughs> vous vous faites le votre témoignage. Marché, hein je fais mon marché. Non, c'est pas celui-là. C'est pas, pas celui-là. Alors, j'ai un autre, un autre un autre thème, c'est celui-là. Voilà celui-là. Wow. Eh bien voilà. Donc, je vous disais, Thierry, dans un thème de naissance, dans ce fichier Excel, j'ai pointé lune de ces deux Ces deux planètes fonctionnent ensemble. C'est génial. Ça veut dire la femme fertile. Ou j'ai un enfant. Ou elle a un enfant. Donc ok, je me dis c'est génial, ça peut arriver. Ensuite, il y a des éclipses qui passent. Il y a quatre par an, généralement, ça va activer des points aussi de naissance. On dit "OK, cette année-là, il peut se passer quelque chose. Ensuite, il y a une technique prévisionnelle, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce n'est pas ce qu'il y a dans le ciel, c'est le thème de naissance qui est progressé d'un degré par an. Okay, on a donc... donc, vous avez votre thème de naissance qui ne bouge jamais, forcément. C'est une photographie de votre carte du ciel. C'est comme notre génétique du physique. Oui. On est comme on est, voilà, c'est écrit. C'est votre ADN. Sauf qu'on grandit. Sauf que vous grandissez. Donc, votre thème de naissance, il y a une deuxième roue. De... Il y a des planètes autour, là, sur la deuxième roue, quelque part du... de ce graphique. Vous voyez Oui. Il y a les mêmes. Les pla... C'est les mêmes planètes qui bouge d'un degré par an. et donc à un moment donné, ces points là, ces planètes- là vont activer votre thème de naissance. Oh, mais ce n'est pas des transits. Okay. Les transits, c'est ce qu'il y a dans le ciel à l'heure actuelle. Donc il y a des choses qui seraient un petit peu en attente, elles sont disponibles mais pas activées. Voilà. Et peut-être euh, ça va s'activer dans 3, 5 ans, 15 ans. Tout à fait. C'est là, il faut juste mettre l'interrupteur sur on. C'est ça. Et là, en fonction des éclipses et d'autres. Voilà. Et d'un transit, par exemple, la Lune qui passe à ce moment-là, moment sur ce point-là, c'est le, le moment mm. où vous allez accoucher. Puis il y a Mars qui est passé juste avant, donc on voit plus ou moins la date de conception. Oh là là <laughs> Donc vous avez, en gros. À... Oui, vous êtes à la date près presque. Hein. Oui, à 5 jours près. À cinq Quatre... jours près Oui. Oui. Des rencontres, des choses qui s'arrêtent, des choses qui, des choses qui oui. commencent euh, dans oui. tous les domaines. Oui, tout à fait, parce que ce qui commence, on peut voir si ça va s'arrêter ou pas non plus. Oui, oui c'est possible parce que ça active un point et, et puis c'est une petite histoire en fait. Tous ces mi-points ensemble forment une histoire et on se dit ah oui, rencontre, c'est génial, ah là c'est un peu moins, ah là ça va plus, ah là c'est séparation. Ok. Ou pas, mais ça, Ou dépend pas. De, ça dépend de chaque thème. Ça dépend de chaque thème. Bien ah évidemment. oui, évidemment. Tout le monde est unique. Ah oui. Sur, oui, surtout que c'est une astrologie précise dans, le, dans les degrés, les degrés d'orbe. Tout ça doit être très précis. C'est-à-dire qu'une minute de naissance différente, ça vous change quasiment, on a 15 minutes d'intervalle, bon, ça change une personnalité. Donc c'est très intéressant pour... Je vous pose la question. Pour, pour pour, les jumeaux. Ah, parce que, ah oui, parce ah, que oui. même si on est jumeaux, on, a, on est quand même différents. Ah, oui, parce qu'on est souvent... Je ne pense pas qu'il y a deux enfants qui arrivent comme ça en, en même temps. Il y a un petit et, décalage, et, et, 5, et le... 6, 10, je ne sais pas. Ça forme une personnalité totalement différente. Et pourtant, ils sont nés le même jour Mmh. À la même heure, ils ont le même ADN quasiment. Oui. Et ça en fait quand même deux personnes. Souvent, les jumeaux sont très liés, mais ils ont des personnalités très différentes. Tout à fait. Alors, un, vous... Et puis, ils ont un autre prénom. Si je vais que la numérologie, ils ont un autre prénom. Aussi. Ça donne une vibration différente. C'est pour ça que je trouve que ces deux, euh, deux techniques sont euh, hyper intéressantes. Ce que vous m'avez dit, ça m'a un petit peu perturbé. Je me waouh. C'est que vous m'avez dit, je suis… Je, je, je vous ai dit je suis pas sûr de mon heure de naissance. Mmh. Alors je l'ai retrouvé, bien évidemment un petit peu après. Et puis ce ben, c'est pas grave parce que ça va se voir. Si c'est pas la bonne, en gros euh, ça va se voir. Je, ben vais la, je vais la retrouver même. Oui. On la retrouve. C'est grâce justement aux événements passés des naissances, des déménagements que je peux rectifier à quelques minutes près l'heure de naissance. Recaler quoi. Recaler. Maintenant si ça... il y a des heures et des heures de différence, ça devient plus compliqué. Il faut plein d'événements. Mais ça veut dire que si on voit le passé, on peut voir le futur. Oui. Mmh. Et ça, vous le voyez aussi. Ah ben oui, parce que cette roue, cette, l'arc solaire, ce, ce, ce thème, oui. progresser d'un degré par an, on peut aller en arrière, mais je peux pas aller en avant. Alors c'est très rigolo de vous voir travailler, parce que vous nous partagez euh, votre écran, oui. et oui. on vous voit aller chercher, euh, c'est un peu retour vers le futur avec vous. Oui, hein. C'est ça. C'est-à-dire que <laughs> on tourne à droite mmh. Dans le passé, à ah oui gauche, ah bah oui. on va voir l'avenir, et puis on, on, on vous dites, bah ben là, euh, il devrait se passer, ça. enfin, on pourrait, on, pro, on pourrait, lire notre avenir d'une certaine façon. Je sais que vous n'avez pas trop mais parlé je... de ça, mais, mais j'essaie de prouver le contraire, en fait. <laughs> c'est ça. Alors, mais euh... je... parce que ça me fait, ça... c'est une astrologie qui peut faire, qui est prédictive, qui peut faire peur aussi. Il y a des gens, j'ai fait quelques conférences, qui étaient fascinés ou, où... mon Dieu, ça me fait peur, bah oui. et je comprends que ça fasse peur. Je, je... Oui, évidemment. Bah, en fait. Pour des choses très précises, ça peut vraiment être génial. Comme quoi Je ne sais pas, un déménagement, vous voulez savoir si vous allez déménager dans les dix années à venir. Ouais. Ben je vous le trouve, votre date de, votre date de déménagement. Bah, alors, vous m'avez parlé d'endroits de, 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 où je pourrais habiter. Et c'est vrai que. Ah, je vous... sais. Pas. Ah, bah, je ah, bah, Moi, je, je m'en me souviens. Ah, bah, ouais. et, et je vous ai dit, mais c'est effectivement un endroit qui, auquel je pense beaucoup. Ah bon, je sais plus. Pas et c'est marrant quoi. Et euh, vous m'aviez même dit que bon aujourd'hui je vis en, vise, en région parisienne. Oui. Euh, mais vous m'avez oui. même dit, mais en fait vous êtes prêt depuis même un an ou deux. Si vous aviez euh, été à cet endroit maintenant, ça marcherait quand même. Enfin et, et ça me parlait ah, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça faisait, ça résonnait en moi. Je dis mais oui, mais il a raison parce que aujourd'hui que je sois à Paris ou ailleurs. Mmh. Euh, ça marche quoi. Ouais, Et... ouais. enfin, C'était assez étonnant, ça me parlait beaucoup. Ah, okay. Ce que Exactement. vous me disiez sans plus. le savoir en plus, mm -hmm. euh, sur parce qu'on parle de déménagement. Et alors là, vous m'avez fait un... Un point particulier. Alors là, c'est ma roue à moi. Oui. <laughs> oui, tout à fait. C'est mon, euh, mon thème de naissance. Ah, c'est ah, juste votre thème de naissance. Mais un juste... point particulier. Oui. Vous voulez regarder un point particulier Oui, parce que je pense que j'avais commencé avec vous, Thierry, euh, sur ce point-là, justement. Enfin, J'ai souvenir de ça. Oui. l'endroit de, de vie, je m'en souviens absolument pas. Mais euh, ce que je voyais dans votre thème, c'est que Mercure, hein, la planète qui est en. Ah oui, en bleu, vous voyez pas la planète Mercure? Sss, je vous, Elle vous fais confiance. Il y a la flèche rouge, vous voyez, qui, qui est en rouge en bas. Et tout au-dessus, alors il y a la planète Pluton. Ouais. Voilà. Juste à côté Mercure. Et à droite, Apollon. Bref. Ça forme une belle figure planétaire. Il y a un beau mi-point là-dessus, c'est magnifique. Mercure étant la parole, euh, Vulcan, donc oui, il faut que je parle de Vulcan plutôt. Vulcain, euh, donc Mercure la parole, Vulcan une parole puissante, énergique, et il y a Pluton au milieu. C'est-à-dire que c'est la parole euh, puissante, énergique, qui s'est transformée, qui n'a pas été peut-être au point de départ comme ça non plus, parce qu'elle est en lien avec une planète Adès qui est le manque peut-être qu'à votre naissance pour vouloir discuter vouloir débattre c'était compliqué peut-être pour vous aussi ça, on pourrait dire que vous avez pris des cours de rhétorique par exemple ce genre de choses c'est tout à fait possible mais ça veut dire aussi que maintenant cette adès le manque adès est aussi le, la planète de l'occulte donc vous avez une, une parole forte dans, dans le discours ou dans l'expression ou dans les questions que vous posez par rapport à l'occulte ou ce qui est ésotérique, ce que vous faites maintenant. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un point de votre arc solaire, qui est le nœud, un nœud lunaire, qui n'est pas un point karmique, il est passé il y a plus ou moins un an, un an, un an et demi. Donc ça a activé, donc ce nœud nord, c'est les liens que vous avez avec les gens, des liens, des gens que vous ne connaissez pas, mais vous vous liez aux gens comme ça. Comment comme ça euh, à, à en discutant avec des, donc des, des connaissances, de personnes qui travaillent bah, comme moi. Dans l'ésotérique, dans le bien-être, dans la spiritualité, dans tout ça. Tout à fait. Mm -hmm. Ah bah oui, ça s'est bien, ah bah ça ça, bien amélioré. Et, ouais. et pour la petite histoire, oui, j'ai pas été toujours très très bon en oral. Mm. Euh, quand j'ai débuté à la radio il y a 25 ans, je bafouillais ouais. presque. Hein, ouais. On en rigolait un peu, mais j'avais ce petit truc. Et j'ai pris énormément de cours de comédien, de doublage. Euh, des stages mmh. euh, divers et variés euh, sur l'expression d'acteurs. Et, euh, et, et j'ai consulté aussi des… comment on appelle ça pour, euh, pour faire des exercices logopédies. de Logopédie Non, pas logopédie, de, des discours, de, je ne sais pas. Enfin, voilà, je sais pas, je sais des, pas. des personnes pour, 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 pour s'entraîner à, voilà. à, à tout ce qui est voilà. oral. Et bien ça, c'est Pluton. La planète Pluton donc, transforme, donc ça évolue. Ah ouais, ouais, ouais oui, oui, oui. Mmh. Parce qu'il y a mmh. des gens qui sont bons tout de suite. C'est ça. Et mais moi, vous, non. Mais et après, moi, oui. moi, moi j'ai bossé pour arriver à faire à peu près quelque chose. C'est ça. Mais <laughs> oui, c'est vraiment ça. Et ça se voit là. C'est ouf, hein. Mmh. C'est qu'une partie de votre thème. il y a Non, bien sûr, c'était un petit votre... exemple. Oui, c'est un petit exemple, mais je trouve qu'il vous va bien. Ouais, ouais, ouais. non, non, mais euh, alors ça a duré combien de temps euh, Bon, une bonne heure. Hein euh, une heure, heure une, une heure, une heure. Mais ça dépend des questions aussi. Là, c'était un petit peu la découverte pour que vous compreniez ce que ce que, ce que je faisais ce que j'utilisais comme comme outil parce que c'est pas très connu encore ça commence à se développer il hein. euh, y a Kevin Meunier euh, qui essaie de mettre cette euh, cette astrologie en, en avant depuis quelques années maintenant donc euh, et ça reste de niche parce que ça fait peur je sais pas pourquoi enfin, je, voilà. bah, je je, je... Moi, ça m'a évidemment euh, titillé. Je dis Qu'est-ce que c'est que encore un nouveau truc quoi euh, <laughs> Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti les Belges Ah <rire> <rire> Eh ben non, c'est allemand. Oui, oui. Allemand. 1920. Donc, ça, ça a à peine 100 ans. Et donc, la, la, re, redites-moi, quand même, pour re, parce mmh. qu'on en a parlé il y a, il y a quelques, plusieurs minutes, ouais. c'est quoi la, vraiment la, la différence entre une astrologie classique, type humaniste, ou les enfin, mmh. astrologies qu'on a l'habitude oui. Qu'on va voir une astrologue ouais. et celle-ci, fondamentalement, c'est quoi la différence C'est quoi la nuance peut-être C'est vraiment l'utilisation des mi-points. c'est euh, elle, elle une astrologie moins psychologique aussi. On est dans l'événement. Ok. Même si on peut voir la psychologie de la personne, mais c'est ce... Oui, et il y a des planètes supplémentaires aussi. Qu ouais, a pas. Que vous avez inventé euh, Pas moi. Les aimé. Belges. Non, même pas les Allemands. <laughs> les Allemands. Les Allemands ont inventé des planètes supplémentaires qui permettent d'avoir une, une finesse en plus, des événements en plus, je ne sais pas. Mais les deux sont, je dirais que l'astrologie traditionnelle comme vous dites, l'uranienne plus la numérologie. J'aimerais bien travailler avec un autre astrologue tropical. Et euh, la numérologie, peut-être avec d'autres gens aussi. J'aimerais ah oui, bien. J'en profite. Vous avez dit tropicale, parce qu'il y a l'astrologie la, ah oui. tropicale et l'astrologie. Sidérale. Sidérale. Oui. Pour ceux qui n'y connaissent rien en astrologie ou qui s'y connaissent, vous pouvez nous dire la différence il y a encore en, entre ces deux astrologies-là ben, La différence, c'est le zodiaque. Donc, la tropicale, on fonctionne avec les saisons. Et la, la... Qui est la plus euh, utilisée, hein, la tropicale Oui, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est l'astrologie la classique. Oui, elle est plus astronomique. Le, le zodiaque a bougé, enfin, tout a bougé Et dans, oui. dans l'espace. Il y a la précision des équinoxes, ce genre de choses. Donc en fait, je suis bélier en tropical, mais je suis en fait poisson en sidéral. D'accord, parce que c'est ce, ce que certains disent, j'aimerais qu'on qu aborde ce débat avec vous, puisqu'il arrive. Il y a des gens qui disent que oui, l'astrologie, ça ne marche plus, puisque tout a été décalé. Oui. Donc d'où l'idée de la tropicale, qui serait mm -hmm. celle qui est décalée, et la sidérale qui a été recalée Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que la tropicale ne marche plus bah, non, Rien à voir. Oh, J'utilise aucune des deux, ou très peu. Maintenant, la... la, la... Les marche marchent. Je dirais que ça tout fonctionne. Maintenant, je connais la sidérale, je n'ai jamais touché. D'accord. Je, je, je n'utilise pas. Pourquoi pas maintenant? Moi j'utilise l'uranienne, il n'y a plus de signes, donc c'est terminé. On s'en fout <laughs> que ça s'est réglé. Mais c'est vrai, c'est vous réglé. êtes pragmatique. J'aime beaucoup, moi, oui. Alors, à un moment donné, il faut aller, euh, aller droit au ciel. but, mais l'astrologie tropicale est quand même excellente aussi. La psychologie a plein de points. Les, les, les la lune noire ce genre de choses mais peut-être voilà, on m'a fait euh, mais... je remercie ceux qui sont passés dans Expert en thérapie qui m'ont fait ces thèmes mais oui. là et et, 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 et on on, a, on en apprend beaucoup sur nous mêmes c'est excellent mais oui. vous pour en apprendre sur la personnalité des gens vous, vous utilisez la numérologie mm -hmm. et donc je vous répète hein, je ouais. je vous, je vous fait. mais en gros pour ce qui est de l'astrologie uranienne mm -hmm. ça ça vous sert au, prédictionnelle, à l'événementiel, les événements de notre vie voilà. passé, présent, futur. Tout à fait, c'est vraiment ça, la numérologie euh, me permet d'avoir ce que je n'ai peut-être pas en uranien, donc la personnalité un peu plus psychologique, même si on voit des éléments aussi euh, en temporalité, mais peut-être pas suffisamment, donc j'ai besoin d'un autre outil. Ce ne sont que des outils, en fait. <laughs> Quelque part, je pourrais en ajouter peut-être d'autres, peut-être que dans quelques années, j'ajouterai une autre technique, je ne sais pas. Et pour l'instant, c'est celle-ci. En parlant de technique, déjà... les... c'est un tarot de Marseille, c'est quoi Alors, que vous avez là C'est un tarot de Marseille, le, le plus classique, je dirais. Enfin, c'est le, ta, le, le tarot Camoin. Parce que j'ai suivi euh, des, il y a plus de dix ans des cours avec euh, Philippe Camoin. Et ici, euh, un tarot que j'emploie beaucoup aussi, c'est le tarot bah, d'Isabelle Lefebvre, qui fonctionne avec les, avec les couleurs qu'elle qu utilise pour expliquer aux gens la vibration des nombres les gens n'aiment pas tellement d'avoir de, de voir le 4 le 5 le 6 elle met des couleurs et elle explique en fonction de ça ce qui est plus visuel aussi donc j'ai son tarot aussi qui fonctionne très bien d'ailleurs d'accord on peut voir une carte à, oui. à, à, de', euh, de l'autre côté euh, comme ça ah oui, pour oui. voir les d'accord ça c'est isabelle lefebvre oui tout à fait d'accord et vous vous en servez pour pourquoi des tarot c'est aussi un je mets les cartes du tarot. Alors, je peux faire des tirages de, de cartes aussi. Hein. Si j'ai besoin d'une info assez rapide, je mets les cartes. Donc, il y a cette technique en plus. Et j'utilise aussi la, la, la profondeur du tarot pour expliquer certains nombres en numérologie, les sous-nombres généralement. D'accord. Parce que vous qui êtes euh, presque un mathématicien astrologue dans le sens où... On a vu les tableaux Excel, c'est ouais, quand même ça. des codes, c'est ah oui. des 1 et des 0. Mmh. Il oui. n'y on, 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 a pas d'interprétation, c'est comme ça et ce pas autrement d'après les, les, oui. les, les tableaux. Oui. Là, quand on tire une carte, on pourrait dire, mais bon, on a tiré des cartes au hasard. Il n'y a pas de hasard. Ah <laughs> non, je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas vraiment de hasard. Il n'y en a pas. Je Parce crois que pas. ces deux choses, là, on a quelque chose. dans. dans, dans je, je repasse un tableau là. Euh, on a quelque chose de... Mathématiques, écrit Oui. Euh, Mais et... je pourrais interpréter de plusieurs manières différentes. Aussi. Il y a toujours une interprétation. Oui. Même si les planètes et les mi-points ont des mots-clés, il y a quand même. <laughs> Il, il, fait, il y a quand même une interprétation qui doit être Quelqu'un comme moi, vous auriez pu dire voilà, Thierry, il aime bien s'exprimer par la parole, donc oui. il aurait pu être animateur, télé, radio, donc c'est le cas, donc ça marche. Oui. Mais il aurait pu travailler sur un marché, en, en vendant en du. En train de crier. Cri, à la crier. Au, à la crier, euh, ça. Euh, avocat. Euh, oui, en tout euh, cas, quelque chose. super important. Voilà. Et peut-être des disputes aussi, si vous n'êtes pas. J'aurais pu dire aussi, si euh, vous quelqu'un que vous n'appréciez pas dans à un endroit vraiment parler extrêmement haut contre cette personne-là peut-être que c'est arrivé ça ça a pu m'arriver mais grâce à mais la spiritualité grâce à la méditation voilà. je vais mieux mais c'est ça et clairement voilà il y a moyen de vivre les planètes enfin, tout, toutes ces configurations de différentes manières là la manière que vous la, que vous le faites c'est ce que vous faites maintenant il y a dix ans peut-être c'était différent ouais. Peut-être plus. Euh... En quoi, en quoi euh, est-ce thérapeutique En quoi ça soulage En quoi les gens retrouvent du mieux-être en travaillant avec ces méthodes et en particulier peut-être avec vous Je crois que les gens ont l'intuition euh, qu'ils vont dans la bonne direction. Je pense qu'ils veulent un billet, comment on appelle ça Un billet de. Une confirmation Oui, c'est ça quelque chose. Ah oui, il m'a dit ça aussi, donc je vais faire ça. Ça Ouais. Peut-être. Maintenant, je ne suis pas. Euh, je ne soigne pas les gens. Et donc, c'est ça, m'associer avec des coachs, des, des psys, parce que je peux pointer certains éléments et qui qu pourraient être, être travaillés avec d'autres personnes. Bien sûr. Donc, je, je, je pense, je crois fort au collectif et pas à l'individualité. Ah, ouais. Et donc, je me dis que pourquoi pas travailler, créer un centre, on peut rêver. Peut-être ah. que, peut que ça se fera. Il faudrait que je regarde dans mon thème si ça peut se faire. Bah, je vous le ferai, si vous voulez. Je vais prendre des cours avec vous. Oui, ça va. <laughs> Et puis après, je vous le ferai. Oui. D'accord. Faisons ça. Alors, je ne forme pas encore… Euh, je fais des, des initiations. Oui. Des initiations. On va regarder d'ailleurs vos ateliers. Euh, oui. Ateliers, donc… Numérologie. Alors, numérologie. Symbolique des nombres en relation avec le tarot de Marseille. Découverte de la personnalité. Okay. Ça, c'est vraiment… Euh, la personnalité, ce que vous voyez avec la numérologie. Tout à fait. Les, quand même, les grandes étapes et les tournants de vie avec la numérologie oui. et l'étude de oui. l'année personnelle. Donc, vous faites des ateliers pour faire des initiations Oui, des ateliers. Et aussi, j'aide. Donc, comme je disais, Isabelle Lefebvre, dans son école, je, je suis quelques élèves euh, de plus près et euh, on travaille ensemble. Donc, euh, oui, c'est une école. Et les ateliers qu'on propose, euh... eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire en fait par rapport aux ateliers, ni à ni à ça. Vous les faites à quel endroit Alors, c'est souvent en ligne. Ou c'est arrivé aussi euh, en Ardèche, quelques fois, deux fois jusqu'à présent. D'accord. Et ateliers aussi, bien sûr, pour euh, commencer à comprendre un petit peu mieux mmh. et voir peut-être utiliser l'astrologie uranienne. Euh, cet outil des mi-points euh, oui. un petit peu pour, euh, pour avoir son thème de naissance selon l'astrologie uranienne mais ça c'est le thème de naissance c'est le même non c'est encore un autre thème que l'astrologie euh, tropicale ah oui c'est deux choses différentes après et euh... pourtant elle raconte un peu la même chose ah mais heureusement elle raconte Enfin, quand je dis un peu je suis gentil hein. je suis gentil c'est vraiment moi, je, ah, vous vous doutez bien qu'on m'a en fait plein, plusieurs oui. fois des thèmes. Peut-être 4, 5, 6 fois dans non, ma vie. Non, non, non. Et à chaque fois, quand même, les gros, gros morceaux, ça ressort. Ça ressort, mais c'est certain. heureusement. C'est ouf. Ça ce euh, embêtant. Et, et, et en l'occurrence, l'uranienne... Euh, est. Pr euh, voit les événements de la vie. Hein, quand même, c'est important de le souligner parce oui, que on clairement. aime savoir. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Hein, dans les, les, les quatre accords à ils disent que c'est pas forcément bon de, de connaître l'avenir, mais des fois, on a envie d'être rassuré. Bah, ra juste rassuré. Ah oui, ça va m'arriver à un moment donné. Peut-être. Oui. Clairement. Je repasse un témoignage qu'on n'a pas lu tout à l'heure. Uh -huh. J'ai eu le plaisir de rencontrer Sébastien qui met tout son cœur dans ce qu'il fait. Et dont le travail est d'une précision remarquable. Je lui ai aussi envoyé quelques amis et tous ont été ravis. Je recommande vivement. Merci, mmh. Jen. Ouais, ouais, ouais. Euh, je préciserai que j'ai l'impression que vous avez une grande humilité malgré euh, ses sais. connaissances. Comme ça fait combien de temps que vous, vous, vous travaillez dans, dans ce domaine, euh, numérologie, astrologie C'est assez récent. Les cartes, ça fait plus de dix ans. J'ai voulu rajouter des éléments. Euh, je dirais tangible, je ne sais pas si c'est tangible, mais d'autres techniques. 2019, 2019 a été une année importante, 2018-2019. Le confinement a été génial pour moi. Ah oui Ah ben bah oui, j'ai pu étudier, j'ai pu étudier, j'ai pu euh, approfondir, je ne dormais plus à un moment donné, parce que je voulais, il fallait que je fasse plein de thèmes, que je comprenne comment ça fonctionne. Et donc, et après on y va. Ça vient assez vite quand même. C'est assez, en fait, en soi c'est assez simple. Ouais, quand il y a une sorte, certaines bases qui sont acquises, oui. vous allez pouvoir après associer les planètes. On et tout associe, ça. Et on fait avec un peu d'intuition. Donc il y a quand même. Enfin, les intuition. planètes, non, il y a pas de planète, vous m'avez dit. Non, il si, n'y si, a pas de signe, pardon. Il n'y a, a, son... <laughs> a pas de signe. Il a pas de, y a pas de, y a pas de On n'est plus, plus scorpion, on n'est plus bélier, ah on n'est plus vierge. C'est fini tout ça. On s'en fout. <laughs> oui, mais les signes, ça dit quand même des choses sur bien nous. Bien sûr, on est bien d'accord. Mais quand vous dites, moi, je suis Scorpion ou Bélier, c'est le Soleil dans, dans tel signe. Mais il okay. faut aller voir l'autre, d'autres planètes, les aspects qu'elles font. C'est ça qui est intéressant. Et les tarots aussi que vous utilisez pour savoir, hein, comme vous le dites, comment est la personne à l'instant t et où elle se dirige. Mmh. Merci beaucoup. Donc je rappelle, consultation à distance. Oui. Vous pouvez, euh, donc, euh, bah, comme on l'a fait ensemble, et merci beaucoup pour la découverte. Ah bah avec plaisir. Plus qu'une découverte, une vraie séance de travail mmh. euh, qui nous aide à s'alléger aussi, à, à, à se respect. rassurer sur certaines choses. Oui, je crois. Et puis des choses qui, qui peuvent arriver dans quelques mois, quelques années, ça peut donner de l'énergie aussi ouais, de continuer dans ce sens-là ou d'arrêter. Dire, OK, je vais peut-être changer les choses. D'accord, d'accord, d'accord. Atelier d'initiation numérologie, atelier astro-uranienne. Euh, « Merci beaucoup d'être venu de, de Bruxelles. Je ne vous dis pas au revoir tout de suite. Hein, » Parce que quand on dit « Merci beaucoup d'être venu », on a l'impression que ça va se terminer. Je voulais juste, peut-être, mm -hmm. euh, si vous voulez, euh, passer un message, euh, rajouter quelque chose euh, qu'on n'aurait pas abordé ou préciser un point en particulier. Je crois qu'on a, on a, on a brassé l'art, je pense. Peut-être que je me dirai ça tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de dire ça. C'est possible. <laughs> Dans le train dans oh. le train, je n'ai ah, oh. pas dit ça. Possible. Ça, ça m'arrive souvent, ça, d'ailleurs. Euh, non. Euh... Soyons curieux. Soyez curieux, soyons curieux. Je ne sais pas. C'est le, le mot curiosité, moi, que j'aime beaucoup. Voilà. Curieux de... Pourquoi curieux, curieux de savoir euh, qui on est, de, de se connaître, de se comprendre. Je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est très important. Et qu'est-ce que ça peut apporter de plus alors on l'a dit ici si quand même, on l'a dit. Je vous repose peut-être une question qu'on a déjà un petit peu. Mais si je sais que je suis capable de faire ça, je me dis bah oui, t'as envie de faire ça. Et puisque visiblement, d'après ses études, mm -hmm. d'après ses euh, travaux, mm -hmm. on me dit que ça fait partie de moi. Alors allons-y. Oui. Euh, ça peut parce que par exemple quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça peut l'aider aussi à se dire mais si, regarde, il oui. fait pour ça. Tout, tout est, toute la configuration est là pour que ça fonctionne. Peut-être que j'aurais aimé aussi moi que mes parents aillent voir un astrologue, et disent "Ah oui, mais il peut être fait pour ça, il peut être bien pour ça." Peut-être que je me serais dirigé plus vite plus vite dans l'astrologie voilà. parce que c'est indiqué dans mon thème aussi. Mon autre métier est indiqué également, mais c'est quand même ça vous aurait fait gagner du temps Non mais c'est vrai, des fois je sais des, pas, des, des fois, on dit il y a, y a au Japon, c'est pour euh, trouver euh, dans sa vie euh, pourquoi on les fait, effet mm -hmm. Ça va en plus nous ramener de l'argent, ça va faire profiter à tout le monde, mm -hmm. euh, et ça nous fait plaisir de le faire. C'est ça, les gars. Euh, bah, si on le trouve le plus rapidement possible, mm -hmm. on en profite le, le plus ah, rapidement ouais. possible. Donc, se connaître soi-même. C'est ça. J'aurais peut-être aimé commencer plus tôt. Peut-être. En même temps, ça n'a pas été le cas. Est-ce est qu'il y a des, des là On parle de choses, de compétences, mm -hmm. de savoir-faire qu'on pourrait avoir et, et, et qui est lisible dans l'astrologie uranienne mm -hmm. et d'autres astrologies euh, quand on a des points plutôt euh, un peu plus sombre, euh, un peu des difficultés. On ouais. parlait de confiance en soi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, quelqu'un qui aurait du mal à prendre de la parole en public. Ça, je suppose que vous le voyez dans tous vos techniques. Euh, est-ce que mmh. le fait de le savoir, ça permet de quoi Finalement, est-ce que ça va changer la donne puisqu'on est né avec Ça peut débloquer déjà. Et on peut, ça peut débloquer. Il y a une prise de conscience, peut-être. Ah bah oui, c'est indiqué. J'ai un petit souci là-dessus. C'est indiqué, c'est marqué. Je vais, je, vais, je vais me soigner ou je vais aller voir des personnes qui peuvent m'aider à dépasser ce, cette problématique. Okay. Oui, je le vois comme ça. C'est pour ça que m'associer avec d'autres gens, euh, des thérapeutes, bien ce sûr. serait euh, exceptionnel. Je ne suis pas thérapeute. Enfin, <laughs> je n'ai pas un diplôme de psychiatre <laughs> ou psychologue, malheureusement. Écoutez, si vous êtes. Thérapeute euh, à Bruxelles, mm -hmm. en Belgique ou euh, dans le sud, euh, en, Ardène, en Ardèche, très bien. vous pouvez peut-être rentrer en relation mm -hmm. avec Sébastien pour faire du partenariat, échanger avec... Euh, les... Je serais très heureux. Mais moi, j'aime beaucoup les thérapeutes comme ça ou les, les, les médiums ou les, mm. les astrologues qui vont... Euh, bah tiens, moi je ne sais pas faire ça. Tu devrais aller voir telle personne. Ou vous qui allez dire, bah écoutez, moi j'ai fait votre thème, mais pour ça, vous allez plutôt voir un tel. Clairement, <laughs> mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Bah merci beaucoup euh, Sébastien Vaillant d'être venu nous voir ici à Paris. Si à vous. On aussi. espère qu'on se reverra bientôt éventuellement pour continuer à partager sur. Euh, ces magnifiques techniques que sont la numérologie et l'astrologie. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci de nous avoir suivis dans Expert en Thérapie. Et on se dit à très bientôt.